Yo tout le monde, c'est Capon et Lemon Shadden. De Onde, et on vient vous présenter l'épisode final de Carapace. C'est parti. T'es chaud ou quoi? Donc bah, on va tirer une carte pour découvrir notre sample. On va avoir le même sample tous les deux, et on fera notre son chacun de notre côté. Bon bah c'est parti. On prend laquelle? Prends à droite. À droite. Challenge accepté. Yep. Yes. Ça va être chaud ça. Bon bah du coup moi j'y vais, bon courage. Vas-y, casse-toi. Hein. Et je trouverai. Moi je vais découvrir le sample après du coup et je vais voir. Tu vas voir que ça va être un peu long, une heure. Le son de Baptiste. Ouais. Donc on va écouter le petit sample. Challenge accepted. Zumba ya la re, zumba ya la re, zumba ya la re, zumba la 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 la re, zumba ya la re, zumba ya la re. C'est parti. Bon alors, putain, petite vocale là. Bah déjà je vais partir, je sais pas, 140 hein. On va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, je vais aller droit au but, faut que je trace. Je vais essayer de trouver une petite boucle déjà, et puis quelques éléments, peut-être un petit synthé, et la mettre en mode vocal, mais aussi reprendre des notes du sample. Je vais essayer d'avoir une petite boucle de rythme déjà pour intégrer le sample derrière après. Ça va faire un truc comme ça. En vrai, ça va le sample au final. Pas que ça fasse trop cheap. Alors du coup je vais partir sur de la techno, ouais, 4-4 comme je disais, et bah, de toute façon j'ai pas le temps de parler. Faudrait que j'en fasse quelque chose d'autre de ce sample aussi après quand même. Truc un peu vénère, hein. Rapide et là je suis à 150, je sais pas, je verrai peut-être plus tard monter un peu ou pas. En fait il est chaud ce sample. Hein. Je sais pas, allez. Ouais je continue, du coup là je continue sur ma rythmique un peu pour essayer d'apporter quelques éléments. Sans que ça soit trop chargé, parce que la vocale, tout ça, déjà là, ça, il y a beaucoup de choses déjà. C'est pas très subtil encore. C'est assez basique pour le moment. Qu'est-ce que je peux foutre là-dessus pour que ça change un peu? On est d'accord, c'est le même sample ça. C'est marrant comme truc. Ça c'est cool, j'aime bien le petit oiseau. Après l'idée ça, au mixage, ça serait de mettre un peu d'éléments à droite, à gauche pour que tu... Je vais passer en Harlem Shake là. Je vais faire tourner ça et avancer dans le morceau maintenant un petit peu. Promis, avec Capon, vous allez avoir un peu plus de mélodie. Pas mal, comme ça d'un coup. Il y a encore plein d'éléments à venir. Allez, allez Baptiste, je suis que à 30 secondes de track là. Les prochaines 20 minutes là, je vais essayer de continuer à construire un peu tout ça. Et il faudra que les 5 dernières minutes, j'essaierai de rajouter des petits éléments, des petites cloches, des trucs comme ça pour que ça structure un peu le tout à la fin. Mais pour l'instant, je vais réussir à rester concentré à construire avec ces éléments déjà présents.
Je trouve ça pas ouf. Je vais mettre tous mes éléments pas ouf de côté, dans le même dossier, et je repartirai dessus après. Donc là, pour la construction, je pars sur un petit break, pour faire une petite pause dans le morceau un peu, et essayer de... C'est ça qui est compliqué, de redescendre pour repéter derrière, quoi. Genre une sortie de kick derrière, et que ça reparte de plus belle pour... Et peut-être que j'aurai le temps de mettre un petit synthé ou une petite note et rappeler le petit sample à un moment aussi. Ça, on attend que ça. Et genre, bah. J'aime bien faire durer un peu comme ça. Bon, faut qu'il y ait d'autres trucs quand même, mais... Ça, faut que je le rajoute, c'est trop stylé. Alors, est-ce que je le rajoute quand ça repart ou avant? Je vais y arriver. C'est cool ça, j'aime bien. Ça c'est marrant. Je suis content d'avoir trouvé ça au dernier moment. Putain, il y a un truc que j'aimerais bien rajouter. Ça, ça rend bien en général quand je mets ça. Faut que je le retrouve. Une sorte de blip un peu. Un blip. Ah non, pardon, c'est un zap. C'est un truc comme ça un peu. Stylé ça. Vas-y, hein, on va dire que c'est bon. De toute façon, je vais rester là-dessus et c'est déjà cool. Je suis assez content de moi. Alors, ouais, bah franchement, en une heure, ça va. Je suis assez content de ce que j'ai fait. C'était un peu dur de se mettre dedans au début, mais... Il n'y a que deux pistes, comme je le disais tout à l'heure, avec le sample, mais ça va en vrai, hein. C'est cool. Merci les gars. Bah franchement... Pas de soucis pour Capon, il va gérer, je le sens chaud. Et bah, place à lui. Ah mon gars, t'es pas prêt mon gars. Alors, ça s'est bien passé? Bah franchement ouais, c'est sacré exercice. Hein. Ok, mais, j'ai hâte de voir ça alors. Le sample il va peut-être te faire marrer, mais je pense que tu vas peut-être gérer un truc un peu plus mélodieux que moi. Ok. Mais bon courage à toi en tout cas. Bah, j'ai hâte de voir ça. Bon bah Baptiste est parti et du coup c'est à mon tour maintenant, je vais écouter le sample. Ouais, ça va, c'est cool. Ça va, ça va. Bon bah c'est parti. C'est parti. Bon bah déjà je vais augmenter le BPM et descendre ça en pitch. Un truc dans le genre. Je pense que je vais garder le sample complet et mettre un gros kick derrière. Faire un truc sympa. C'est compliqué, ouais. C'est pas le genre de truc que j'utilise, mais je pense que ça peut donner un truc cool quand même. Je vais partir sur du 140-141 BPM, je pense. Histoire de faire un truc comme qui groove un peu. Bah le sample là, en fait, il est... je trouve qu'il marche de lui-même, donc là, je vais faire une petite rythmique, et après, je vais voir si je peux rajouter des mélodies, des trucs comme ça. Là, je l'ai un peu samplé vers le bas, enfin, descendu sa tonalité, comme ça, il est un peu... un peu plus dark quoi, enfin un peu plus, ça donne un petit côté dark techno quoi. Ça
En vrai, c'est déjà pas mal, hein. Il y a déjà un petit truc. Ce que j'aimerais, c'est rajouter des... J'aime bien faire des roulements de kick un peu, histoire de donner, pareil, encore une fois, un peu de groove et de rythme. Et généralement, ce que je fais, c'est que je rajoute des faux kicks. J'aimerais bien jouer un peu plus avec le sample là, et je vais essayer de le faire un peu glitcher, tu vois, faire des petits... Ça peut être pas mal. On va voir du coup si je peux pas mettre un peu de mélodie. On va voir si je peux partir sur un petit truc agressif. En fait, généralement, je commence moi par les mélodies justement. Mais là, le truc c'est que le sample m'empêche un peu de faire ça. Mais du coup là j'ai préféré poser une base et puis comme ça t'as l'inspiration qui vient au fur et à mesure avec tout. Là je commence à avoir une bonne base, du coup c'est pas mal là. Ça fonctionne pas mal. Je vais essayer de faire un petit arpège, pareil, enfin un petit arpégiator et un truc qui tourne un peu en fond, qu'on puisse pareil jouer un peu avec. Et je vais essayer de faire une petite basse, une basse qui roule aussi, ça peut être pas mal. Mais le sample est vachement dans les basses, donc ça va être un peu compliqué de ne pas interférer avec les deux. Ouais, c'est pas mal ça. En fait, j'ai mis deux doigts après mon son. Le kick ici. J'aime bien avec le. Au tout début, quand le sample se chie. Si on met un petit ton avant. Ça peut être pas mal, hein, une petite note blanche, enfin un truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Une pause, quoi. Bon, il me faut une basse quand même. Tac. Bah là du coup j'essaie de bien intégrer tous les éléments ensemble et en vrai je pense que je vais essayer de trouver une autre, enfin une mélodie, parce que je suis pas hyper fan de l'arpège de tout à l'heure, donc je vais essayer de trouver un bon truc, enfin un truc, ouais, voler une bonne mélodie, je pense que ça va me prendre un peu de temps mais ça devrait le faire. Ok, c'est pas mal, ça me plaît mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est mieux. Attends, j'ai trop de voir la track de Baptiste pour savoir dans quel corps il est parti, putain. Bon bah voilà. Au départ vraiment je me suis demandé comment j'allais l'utiliser et comment j'allais l'intégrer. C'est vraiment pas le genre de... Enfin, ça, la carte porte bien son nom, c'est vraiment un challenge parce que c'est pas le genre de sample que j'utilise de base. Et bah ouais, du coup j'ai hâte d'écouter le son de Baptiste. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Dans quel... on est partis tous les deux, je pense, dans des trucs différents, donc ouais, j'ai hâte de voir. Alors
Ah, c'est. Ouais, j'ai tout foiré, moi, j'ai rien non. fait. Non, je l'ai. Non, non, ouais, ça va, j'ai bien. Ouais, ça va pas au trop début, mal réussi. Ouais, non, mais au début, je me suis dit, putain, ça va être chaud. Ouais. Ah ouais. Ouais, pas, j'ai eu du mal. Ouais, pas mal en vrai. Ouais. Bah ouais, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Bah ouais, moi non plus. Non, c'est clair, je m'attendais pas à ça. Elle sait bien son truc ou quoi? Ouais. C'est parti. Vas-y. Ça me fout l'ambiance quand même, ça. Et là, c'est reparti. Et bah, ouais, bien joué en vrai. Ouais. Trop lourd. Ouais. Je sais pas. Si, si, je suis bien, moi. Ouais, ça va en vrai. Bah, ouais, grave. Ouais, ouais, trop bien. Non, non, si, si, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Il y a quand même beaucoup de trucs à faire encore. Bah, c'est parti. Ouais, merde. Capon, quoi. Je suis pas
T'as plus chaud, mon gars, c'est trop bien. Non, c'est... Bah bravo à toi, ouais, c'était trop bien aussi. Le sample, bien, hein, t'as des... c'est avec subtil un peu, c'est toujours le même sample, enfin la voix là. Ouais. Mais tu sais pas, enfin tu t'en lasses pas en fait, ça, ça déroule quoi. Ouais, bah toi t'es passé genre direct avec le main break et tout, et ouais. C'est ce que tu fais habituellement, et c'est pareil, c'est les Munchadon quoi. Ça m'aide vraiment de, ouais. De créer à partir du amen, parce que je sais pas, ça fait un truc qui roule direct. Ouais. Toi c'est ce que tu crées avec tous tes éléments derrière et tout, tous tes percus et tout, je trouve ça trop bien. Bravo Capon. Ça c'est Capon ça. Bah allez voir Honte sur Facebook. Non bah, franchement merci beaucoup Carapace en tout. Ouais cas, merci pour l'invitation. C'était lourd. Franchement, bah, bravo Capon et bah, bravo à toi aussi. On espère que ça plaira, quoi. Voilà, merci beaucoup. Salut. C'est une fin de tournage. Putain, ouais, bien joué.